Oh, c'est une belle porte qui est là, Mon hein? grappin. Salut à tous, c'est Monsieur Madness02 qui est déjà fatigué et on se retrouve pour la partie 35 de ce DSLP de Zelda The Wind Waker. Et là, oh, on entend un bruit. Oh, salut toi, tu sais que t'es beau? C'est le roi des mages. Oula! Oui, t'invoques un mage et un Dark Knight. Voilà, t'es où? Au revoir, le plan, comme ça t'es bon. Allez, viens, toi. Viens voir Mickey. Je vais faire un truc cheaté. Ah, voilà, je vais faire. Bonjour, je suis un mini boss. Au revoir, je suis un mini boss. Et je fais mon cheater, moi. Hop là. Tu fais du speedrun maintenant? Hop là, et voilà. Il a pas tenu longtemps, le mini boss. Voilà comment speedrunner ce mini boss. Hein? Prends-en de la graine, Megage 76, hein? Pourquoi je l'ai enchaîné à la vitesse de l'éclair? Non, parce que je vais récupérer l'objet qui est là. Non. Non. Parce que c'est pas bien de cheater comme ça. Ouais, on récupère le grappin. L'arme du jeu, du donjon, putain. Et comme on voit, on a tous les items. Et on est content. Allez, hop. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de monter là-haut. Pourquoi je t'équipe de la masse? Ah, d'accord. Je m'équipe de la masse exprès pour activer le bouton. Voilà, pour pouvoir voir la porte. C'est important, la masse. Ça sert pour cheater. Avec les flèches de glace. Hein? Ou pas. Si, quand même. Bon. Tu sais que tu peux aussi le réchauffer pour qu'il crève. Oh, mais j'ai la flemme. Pourquoi? Parce que c'est plus long. Peut-être. Et là... On essaye, mais on n'y arrive pas. C'est pas évident avec la manette que j'ai. Et ta manette, c'est pas un dinosaure. Hein. Ouais, mais moi, c'est pas évident. Parce que ma manette, elle a un stick analogique très très sensible. Là. Eux là, ils me font peur. Parce qu'ils sont capables de tout, ces bestioles. Volant. Et à toi. Hop là, voilà, comme ça, elle va pas m'embêter. Pour les tuer, c'est simple, soit on y va au boomerang. Soit au grappin. Et c'est plus pratique à les tuer. Oh là. Caméraman. Non, tu vas plus au grappin là. Faut que tu. Oui, je sais, faut que j'aille avec la feuille bonjour. Avec la feuille bonjour, je sais, j'en ai galéré, moi, pour aller jusque. Ah bon? Moi, je galère pas, moi. Allez. Non, mais moi, je veux dire, je savais pas où il fallait aller. Je savais pas qu'il fallait aller là. Ça me semblait pas possible. Ok. Bah, en même temps, quand tu vois la distance, tu vois pas que c'est possible. Ou sinon, t'avais une autre solution, c'est que tu sauvegardes et tu reset le jeu. Ah, bah oui, t'aurais pas eu la boussole. Si t'étais pas venu ici. Alors. Hop là. Elle a plus qu'à monter. Et je crois que t'as oublié un coffre. Ah bon? J'ai oublié un coffre. Non, j'ai rien ici, oublié. En bas? En bas? Ça. Non, y'a que dalle. Regarde bien la boussole. Non, mais je veux dire. Dans la salle où t'as affronté Monsieur le Mage. Le gros mage? Oui. Bah non, j'ai pas oublié le coffre. Si, il y a un coffre à débloquer. S'il y avait un coffre, ça me l'aurait indiqué sur la boussole. Alors, ok. Regarde, il y a un coffre. Je connais mieux le donjon que toi, je te rappelle. Bah regarde, il y a un coffre. Non. Indiqué dessus. Bon. Après que Mega Edge 116 aille un peu des hallucinations, on va pouvoir aller chercher... Du Moria! Ou pas! Alors, va-t'en, toi! Hop, hop, hop! Hop là!
Et là, un truc à faire, il faut se mettre sur le coin. Et puis attraper la statue qui est là pour la faire tomber. Et voilà, on a libéré du Moria. Et on récupère un pendentif du bonheur, juste comme ça, parce que j'aime bien. Hop. Allez, là, mon petit. Maintenant, il va falloir aller en face là-bas. Il va falloir aller en face. Parce qu'il y aura quelque chose à aller chercher. Et je suis sûr que pas mal de gens connaissent ce truc. Parce que il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a certainement. Il y aura certaines personnes qui l'auront oublié. Oh, tu ne toucheras pas. Bon, moi je vais aller le chercher. Alors attends. Il est à la cave. Bonjour. Salut. Au revoir. Je m'en vais. J'en ai rien à faire de vous. Hop là. On va tuer les bestioles. Qui infeste. Oh, la main est de retour. Cette voiture. Hop là, loupé. Sois stupide. Non, c'est pas cet item là que je veux. Ah. Tu crois que je vais fail, moi? Oh, mais tu rêves! Hop là! Au revoir les mains! Je suis un troll, moi! Je fais pas d'effet, je me fais pas choper par la main comme toi t'avais fait! Au moins pas mal de fois! Dans le temple de la terre et puis dans le temple du vent aussi! Actuellement! Olé, loupé. On va les tuer eux parce que ils vont être gonflants. Voilà, ils m'embêteront plus maintenant. On va utiliser l'hymne du dieu du vent. Tan, tan, tan. Allez, joue du Moria. Avec ton instrument, il passe un peu à travers le sol. Boum. Allez, viens là. On va voir. Oh, on a du monde, dit. On a du bon monde. Bon. Je sais pas. Bonjour. Je veux te battre. Stupide, certainement. Surtout à 3. Boum. En moins. Un comme ça. Hop là, en moins. Aïe. Hey. T'es pas content que j'ai tué ton pote? Oui, malin. Eh bien, attaque. Hop là. Là, voilà. Comme ça, c'est fait. C'est pas bien de cheater. C'est pas un cheat, ça fait partie du jeu. C'est question stratégique. Stratégie, mais... cheatage assuré là-dedans. Oh là là. Voilà. Et je vais récupérer la clé du boss. La prochaine fois, utilise une méthode loyale. Ah là. Moi, personnellement, j'en ai marre de vous devoir cheater comme ça. Et alors, j'ai bien le droit, c'est pas interdit. Tant qu'il n'y a pas d'action replay sur la console et que tu trouves des techniques, c'est autorisé. Technique ou pas, c'est quand même quelque chose que t'es pas censé faire de base. Si. Hop là. Non, parce que de base, tu n'as pas la technique. Bah, tu l'apprends. Ça s'apprend la technique.
Ou tu les tues de la façon normale, comme tout le monde. Oh, moi j'ai la flemme. Oula, il aura les... Oula. Parce que c'est bien de la tuer comme il ou la elle, mais bon, quand même. Il y a d'autres techniques. Je veux dire, c'est pas... Alors, au revoir, messieurs. C'est pas la seule technique au monde qui l'explique. Ouais. Vous aimez faire du bike-all, hein. C'est bien, hein. Ok, t'as tout pété. Et je récupère plein de munitions. Ce que j'aime bien. Bon alors. D'accord. Et du mariage, lui, c'est quoi? Je m'occupe d'abord de son cas, comme ça il va pas m'embêter. Et maintenant à nous du Moria. Il va enfin emprunter la salle auquel on n'a pas pu aller parce que du Moria s'est fait capturer dans la partie précédente. Et tu cours pas vite, mon petit. Il y a du mal. Hop là, ça c'est fait. Alors, hop là. On se place ici. Hop là. Allez viens mon petit. Oh là. Tu peux le tuer au grappin, j'ai déjà essayé. Link, je pense qu'on va pouvoir planter ton grappin à l'aide dehors. Non mais ça sert à rien. Il meurt tout seul. Non. Il meurt pas. Parce qu'en fait, c'est un mage invocateur. Et les mages invocateurs ont deux fois plus de vie que les mages normaux. Tu comprends? Eux, ils ont deux fois plus de vie, ces mages-là. Mais attends, mais là, tout de suite, mais... Non. Les mages avec leur chapeau rouge, ils ont... Tu peux les one-shot à coups de flèche, de feu, de gaz. Non, mais je parle pas de ça, mais... Tu passais avec du Moria avant. Et alors? Tu passais après, tu tues tous les ennemis. Mais il était tout seul, le mec. Mais même, tu vas avant avec lui. Allez hop. Pour plus de sûreté. Et après, tu vas avec du Moria. Et avec le grappin, bien sûr, on peut s'accrocher à tous les arbres. Sauf l'arbre mojo, bien sûr. Une arbre. À cause de ces arbres, maintenant, je parle que ça. Vous avez une pas de magie logique. Lui. Oh merci. Suffisait de demander. Avant, avec Link, pour voir s'il y avait des ennemis. Et alors, après, on sera avec du Moria. Voilà, l'inverse. Sinon, il n'y a pas de sens. Bam. Tu es revenu. Bam. Ouais, comment tuer ces stalf, ces têtes d'os? Ouais, ça ressemble à des stalfos. Non, c'est des têtes d'os. Faut utiliser le grappin pour les faire venir, et puis hop, tu les tapes. Le grappin, c'est l'arme cheatée du jeu. Enfin. Oui, un peu. Enfin, pas cheatée non plus, on est pas... Youp. Et un petit arbre. Et quand je marche, on dirait un gros lobby, bip, bip. Et toi, tu continues de voler. C'est pas grave, il était bien placé. Je te dis, une personne logique aurait attendu, mais non, toi t'es pas une personne logique. Hop là, voilà, il est mort. Je ne savais pas que tu étais trop logique. Brave. Tom, tom. On va faire revenir mes Morliens. C'est pas le dernier crâne. Qu'est-ce qu'il a, le crâne? Tue-le avant qu'il te défonce du Moria encore une fois. Ok, il fallait juste qu'il me fallait... Mais non, tu peux l'avoir de là. Oui, alors. Bah pourquoi tu l'as pas fait avant? J'ai la flemme. Ça t'a pas réagi comme une personne logique. Évidemment, faut attendre qu'il descend un peu.
Bon, c'est quoi, merde? Ça va être plus rapide. Voilà, il m'emmerdera plus. Mais avec la force de Link, tu peux envoyer du Maria là. Non, la flemme. De toute façon, il faut du Maria pour aller planter des graines. Oui, je veux dire, tu peux directement envoyer du Maria là-haut. Oh, une main. Tiens, un copain. Une main. C'est un copain du mon Lira. Alors, le truc, c'est d'aller se couler vers la droite. En se faisant pas choper par la main du diable. Du diable. J'allais dire le diable de Tasmanie. Je voulais me retenir. Et je me cache sous les feuilles. Voilà. Hop là. Parce que quand on n'est pas logé, on se cache dans les feuilles. Waouh! Au revoir, mon petit. Il y a une main maintenant. Toi, tu décides de faire ta loi. Hop, on pose du Moria ici. Et hop là. Tac tac. Oh, un autre passage là-bas. Alors, oui, ouais, il y a un autre passage en bas, oui. Non, là-bas plutôt. Alors, mon foil. Et du Moria? Du Moria, oui, qu'est-ce qu'il y a, du Moria? Eh bien, avec toi, tu le lâches comme une merde. Le truc, faut activer le ventilo. Ouais, il faut que je vienne avec du Moria. Ah là, c'est bon. Hop là. Voilà. Je vais tuer. Non, non, ils vont pas m'empêter. Vite. Il va falloir planter les graines. Hop là. Pour activer le ventilo. Hop là. Et la magique. Le ventilo marche. Et maintenant. Du Maria aussi. Je fais avoir. Ah! Je trouve que t'as pas du Maria! Bon, toi, tu sais que t'es confiant. Dégage! Laisse mon pote du Maria tranquille. T'as rien fait. Non, mais. Allez, hop! Ouais, à chaque fois, c'est toujours la fin. Mais non, je t'ai dit, du Maria, il peut pas ramasser. Ouais. Du Maria, il sert à rien. Allez, vole, du Maria, vole. Vole, vole très haut. Non, il va pas voler. On va le mettre dans ce coin-là. Voilà. Tu as ta peau, toi. Hop là. Tu te caches sur une seule statue, toi. Youhou! Je t'ai planté. Bah, pas grave. Il est en face. Je vais choper ce coffre-là en attendant. Il sert à rien. C'est pour le fun. Hop là. Voilà. Encore un petit bonheur qu'on n'a pas besoin. Eh oui. Hop là. T'as de la vie, merci. Bon, j'espère que là, tu vas pas me troller. Oui, ça serait marrant. Non, parce que moi, c'est moi qui vais le troller. Ah non, c'est lui qui t'a trollé. Ah bien. C'est encore lui qui t'a trollé. C'est encore lui qui t'a trollé. Je crois que je vais arrêter de compter. Voilà, comme ça, tu m'embêteras pas. Allez, hop. Il t'aura pas sa bulle. T'es monté un peu haut quand même. Hey, hop là. C'est ma technique ça. Pourquoi ta technique? Parce que c'est moi qui l'ai utilisé en premier dans le let's play. Alors. Hop. Je fais du copiage. Et maintenant qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Des coupins. Oh. Oh.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, allez. Hop, 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 hop. Hop là. Hop là. Hop là. Aïe. Roulé. J'aurais pu enchaîner le perfect. Mais je les ai tous tués, hein. Il reste combien? Il reste 10 minutes. Peut-être que je vais arriver jusqu'au boss. Qui sait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, une clé! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, une clé. Alors. Bon, bah voilà, il reste plus qu'un endroit où aller. Allez, au sous-sol! Ouais, je vais là! Rien, je m'équipe. Tu veux cramer, tu m'as rien? Non, je veux pas le cramer. Tu veux le congeler? Attention! Yahoo! Suicide nucléaire. Non. Je... Suicide accepté. J'ai des jambes en béton. Hein. Non, c'est moi qui ai des jambes en béton. Hop là, et on passe là-dessous. Toi, t'es pas censé être pour moi. Hop là. Là, je crois qu'on va revoir mes potes. Ah bah tiens, les voilà. Oh! Copain, il est où? Hop là. Ferme-la, comme ça on va être tranquille. Les Gitti Bolognaise, les... Et où? Il est là, le cucus, il est là. Ah, il est là. Cucus. Je vais m'occuper de copain. Mon copain heavy metal. Je crois que tu peux les toucher avec la masse. Étonné qu'elle est une portée, tu peux les toucher avec la masse. Hop là, en moins. À ton tour, copain. Bah oui, enfin. Hop là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Que dalle. Mais on le sait, il y a encore des ennemis cachés. Pour cela, je vais m'équiper de... Ça. Et de ça. Et des bottes de fer. Bon alors, where are you, amigo? Go. Non, c'est juste pour des rubis. Ouais, ça sert juste pour les rubis. Hop là. Tu as fatigué? Finalement, tu sais que t'as arrêté sur cette salle. Hmm. T'as fait beaucoup. Il y a des complications. Je crois qu'il y a des ennemis aussi dans les vases. Non, pas d'ennemis. Si, on a dans les vases. Là, tu vas te téléporter. Non, je sais, je fais ça. Pour ouvrir la grille. Maintenant, voici sa technique. Refaire demi-tour pour faire la même chose, mais avec les bottes. Hop, voilà. T'es mort. Sa technique. One shot. Si c'est ce que je disais. Voilà. Et le coffret à part. Il y en avait plus. Ah non. Yop. Ouah. Et voici l'avant-dernier coffre. Dernier, non, c'est le dernier. Non, il y a encore un. Il y en a encore un. Ouais, carte au trésor. Mais c'est le dernier coffre du donjon, je parle. Ouais. Certes. Alors, où es-tu du Moria? T'es là. Le boss. La 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 la. Je veux me frotter le boss. Bon, vu le temps qui reste, on va voir. Allez, à la compagnie. On va l'accompagner. Hop là. Des débiles jaunes.
dieu des Devil Joe. Aïe. Attends, toi. Toi, donne-moi ça, parce que t'es gentil. J'ai faim, je mange une bombe, je suis stupide. Oh. J'ai faim. Allez, dansez, messieurs. Pour l'instant, vous faites un peu tout glitcher. Youpi. C'est parce que c'est la magie. Eh bien, du Maria. De la nouvelle la 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 la. Hop, 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 hop. Là, on fait envoler du Moria par-dessus. Les courants d'air. Hop là. Tiens, j'ai un arbre pour me protéger cette fois-ci. Je veux cacher derrière l'arbre. Et Link, bah... il va me pointer. Il va pointer du Maria, le pauvre. Ça sert à rien. Aïe. Attends. Bon, du Maria, on va y aller. T'es déjà fatigué? Youhou, au revoir, messieurs. Tu veux pas que j'affronte le boss? Bah, on va voir. Parce que vu le temps qui reste, on aura peut-être le temps. Allez, hop, on va passer. Tu peux pas me laisser battre le boss pour tous les boss que t'as eu? Je sais pas, on va voir. Ça faisait longtemps qu'il a pas fait ce cri là, Link. Allez hop, faut pousser. Alors à pousser. Maintenant faut les bloquer. Maintenant pousser à contresens. Hop hop hop. Si vous pouvez vous mettre un peu du vôtre. Voilà. Comme ça c'est fait. Ah, je crois que là j'aurai peut-être pas le temps d'affronter le boss. Ça rappelle ce que tu vas faire. Tu vas voir. Là. Non, pas t'accroupir, hein, non, Link. Fais pas de bêtises, ok? Hop, hop, hop. Allez, avance, mon petit Link. Attends, je vais remémorer le boss dans ma tête. Oh, lui, sera celui. Ce serpent de mer, là. Serpent de mer. Le serpent de sable, plutôt. Ouais. Ouais. Là, il l'a pas fait, Link. Allez hop, maintenant on n'a plus qu'à avancer là-bas. Et Link, il est content, hein. Sauf qu'il a fait se suicider, là, il a pas été content. Et nous allons nous arrêter bah, devant la stèle qui est là-bas. Hop là. Bien!
Ça va être sur cette stèle que nous voyons ici que nous allons vous laisser là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Ouais, salut à tous. Ciao, bye bye.